Allô? Kana kati ya magazin wana. Magazin kitambo? Ah ya ya chiko. Kote ya rai. Ya ya chika. Kati ya unatea? Kee. Na kati ya makadamu. Ah baba utala kibindi. Ah non msuma par rapport à ce à charme non la moussa. Yeah. Poulet à la mayo, vrai poulet. Tu coquines la Congo mayo et la ouléri. Oui. Ah, binonde c'est oyo ba oyo qui n'a mukilimo sango mukilimo bima. Congo mayele, sous les sapotiers. Mais ce sont les binons à monnier zagadans. C'est pour battre belle balle là. Et les sapotiers vraiment makasi hein. Au moins les boys ceux qui ont salé les oyango. Même les sapotiers ont salé musalo. Au lait. Oh, les lots, donc, Nganda Taba Congo Maïli. Sous les safoutés. Il y a un des patrons en haut. Il y a un des patrons en haut. Il y a un des patrons en haut. Et ça, c'est l'importance de l'habiller à Bana Kishasa. L'importance de l'habiller tout le monde en Congo. Pour que le Congo ait la politique. Pour que le Congo ait la beauté. Pour le secteur à Colia. Qui par exemple était dans le Congo, ils ont négligé, mais quand même, ils ont besoin de tomber là-bas. Moi, ce soir, il y a bien. Pour que le Congo ait la beauté. Et c'est son importance. Yo, en tant que patron, il y a Congo Maïni. L'importance, il y a Kolia, Moutounios, ce qui a moyen à y avoir. Pour tous les salariés, il faut profiter de Zala, en place de Zala, Moussala, Nabiso. Donc, Congo est un peu comme Kolo, donc il y a des gens qui ont été en place. Pour y avoir Moussala, pour que tu ne peux pas me donner un téléphone, tu as besoin de Nabiso, tu peux me donner un Nabiso, place de Zali, tu as. Donc, attends la fête, bon, attends la fête, place Nyon Sotoyaka, manifestation Nyon Sotoyaka. Vous pouvez toujours passer sur la tabac, aujourd'hui. Monde. Ça va, merci. Qui n'a l'autre? Non, mais t'as regardé. Oh, la main, on est ni pour deux mois, on a quitté, quoi. Pour deux, on a l'ambing. Oyo qui a l'isolo, t'es qui a la bibliothèque, lauréat à super produit en 2015. Ah bon? Oui. On a expliqué notre stratégie. Non, et ben, il tire à souk. On a expliqué notre stratégie. Donc, nous avons un peu de temps. Bon, nous avons un peu de temps, mais une spécialité à Baoui. Nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Nous avons accompagné en tout cas. Nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps.
message ni oyebi sabande kona biso balanda bakolando na nzela na biso na mikili ya putu message ni ya mutuya oko pesa bango message za kakati po omoni kulamba pundu mingi bilenge na biso aba ye kulamba pundu na bawo bazana auto oui ponga yo moni le na bimaki lauréat na proposa ki mo il fallait na sala centre mo ka formation na kulamba ka pundu pundu te biloko nyonso po kuna poto kendaki na concours kaka po mena lamba kanyoko po na sala kana service traiteur na ngai bato ba yedi mama Olga na blog commercial bakupe so centre o proposa ki nini pona sala centre ya préparation pona kulamba bon makoki nde mutu kokake e kokite po omoni mbongo ba pesa ki bichek wan ba remeta ka $2000 balobaki yango ya kulia te bon wane zaki mama congolaise donc nali ya kufuta nyongote ya kusala moi quelque chose yango moni moyena sala sala makoki nde zangaki mais na sengaki na bato ba organisaki mais na moni mokote asalisaki ngai omoni pota zaki na ide ya kusala moi centre na bande kuforme po bilenge mingi ya mukolo ayebu kulamba te papa okomona bangona aliye balamba okomona bangona malewa sika malewa eza omoni bilenge or biso tandis que leo tozaki bana mike tobala kokende kulia na balewa te bino tan boza bana mike bobanda olia biloko nyonso ezaka na ndako lelo toyebi makambo yoleka na mboka na biso message okoyebisa bilenge ya lelo mpona makambo ya kolamba po bamosu bakoko koke mabala te po ayebi kolamba te mabala mingi ezokufa papa conseil nini okopesa bango bon conseil nakopesa bango po bayekola kolamba eza kaka pondu te bilubu nyonso ya mboka bayekola po moto aza na volonté akoyekola ngai par exemple bana na ngai nazoko evante te age ya 12 ans mwana mwasi deja nakotisaka na kikuku nalobi mwana boyeboye na vi boyeboye po kolamba oyo esalisaka papa ngai nakuloba mosala ya kolamba yango nde nabokoleli bana minderi omoni yango nabokoleli bango naza na balisansi ye naza na journaliste moko kaka na mosala ya kolamba oyo me bilenge lelo bautiaka tile bango wana bakei conseil nazokopesa fo bayekola kolamba kaka pondu te bilubu nyonso ya mboka bayekola kolamba mpo ekosalisa bango lokola ngai lokola nayebi kolamba esalisaka ngai mingi bato bayebi ah mama Olga mama wana yebi kolamba tika tozwa ye akolambela biso merci beaucoup mama nga mpe nasengio merci Oui, mais c'est très bien. Même Non. S'il vous plaît, il y a ça l'idée. Bingo, Baïkal Josna. Le monde m'appelle G-Brother. Ça, c'est le petit nom qu'on m'appelle puisque l'art que j'ai fait, voilà, on m'appelle G-Brother. Voilà. Vous êtes artiste danseur ou artiste et danseur. En fait, vous faites quelle danse? La danse urbaine, précisément popping et locking. Mais nous avons un groupe des b-boys aussi, donc de breakers. Voilà. Est-ce que vous. On vous suit vraiment ici à Kinshasa? Oui, bien sûr, bien sûr. On peut vous retrouver où à Kinshasa? À Kinshasa, nous sommes à l'Athénée de Gombe chaque dimanche à partir de 12h à 18h. Et au courant de la semaine, nous sommes à Kasavubu sur croisement Asosa et Fox. Nous sommes là-bas chez les artistes. On répète là-bas chaque jour au courant de la semaine à partir de 12h à 17h. Est-ce que vous avez des projets
comme artiste, si oui. vous avez des projets en tant qu'artiste. Oui. En tant qu'artiste, j'ai des projets bien sûr, parce que vu ce que je fais, j'aime bien et j'aime bien promouvoir la jeunesse artistique, vu que je suis jeune moi aussi, mais je me donne à promouvoir aussi la jeunesse artistique. En épreuve, j'ai mis en production un événement intitulé Univers Dance Battle Pro, qui consiste à la danse battle de la danse urbaine, mais cela nous empêche d'inviter aussi les rappeurs, les chanteurs, les comédiens. La deuxième édition de cet événement sera pour les mois de juillet, à partir des 6 au 8, donc 6 et 8 juillet. Donc il y aura la deuxième édition de mon événement, Univers Dance Battle Pro. En fait, quand vous faites la musique, vous avez quelle vision pour la musique? Parce que des genres de musique que vous êtes en train de faire ici chez nous, la plupart des gens ne s'intéressent plus bien. On a déjà vu la plupart des artistes comme vous voyager à l'étranger pour cette musique que vous tentez de faire. Vos ambitions avec cette musique, c'est laquelle? Voilà, l'ambition est juste. D'abord, je vais voir mon pays pour donner l'ambition, parce que ici en RDC, la danse que nous faisons, ce n'est pas vraiment respecté vu. Le ministère des Cultures et Arts, c'est lui qui est ministre actuel. Bon, je ne sais pas actuel ou c'est lui qui était, peu importe, ils ne nous connaissent pas. Et alors, mon ambition est juste de faire des sortes, de donner valeur à ce que nous faisons, donner valeur à celui qui est dans ces domaines, d'avoir la capacité de s'exprimer devant le monde et faire comprendre aux gens que ce que nous faisons, la danse que nous faisons, c'est l'art, un art connu, un art international. Ça ne se limite pas qu'ici au niveau national, mais plutôt c'est international, parce qu'il y a plein d'événements qui se déroulent du côté Europe, Amérique, Asie, n'importe où, sauf que notre pays qui est un peu moins développé par rapport. En fait, je voulais juste savoir, quand vous faites cette danse, est-ce que c'est se mélanger avec notre danse, la danse congolaise? Ben, la danse congolaise, différente de la danse urbaine, bien sûr. La danse congolaise, c'est plus du Congo ici. La danse urbaine, ce n'est pas que... parce qu'il y a ceux-là qui se fait des idées que la danse que nous faisons, c'est une danse étrangère. Mais pour explication, ce n'est pas une danse vraiment trop étrangère, parce que c'est international. C'est comme le football. Le football avait l'origine et aujourd'hui c'est répandu au monde entier. C'est partout il y a le football. C'est la même chose avec la danse contemporaine, la danse urbaine que je voulais dire. Voilà. Pour parlons de mélange entre la danse d'ici et la danse urbaine. Bien sûr, on le fait, bien sûr, parce qu'on néglige pas notre culture à nous. On a toujours notre culture, bien sûr, mais puisque nous aimons aussi faire ce qui est autre, nous sommes la danse urbaine. On se débrouille pas mal et on est professionnel à ça. Et ça nous crée des horizons. Voilà, voilà. Un mot. Donne à ceux qui vous suivra sur notre chaîne YouTube le message clé, l'importance de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui et pour les jours à venir. L'importance. Tout d'abord, en premier lieu, nous allons dire que c'est un travail. D'accord. En premier lieu, nous allons dire que c'est un travail, parce que aujourd'hui, on ne donnerait pas l'importance qu'à celui qui est au bureau. Non. Sinon, par là, je vais expliquer un peu ce que nous vivons ici dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, c'est une ville capitale de la République démocratique du Congo qui, sa richesse n'est pas... Nous n'avons pas de richesse genre minérée ici, non. Mais plutôt, c'est les études et l'art. Donc ici dans la ville de Kinshasa, ce que nous avons comme richesse, comme je donnerai un exemple dans d'autres provinces comme Kasaï, nous avons le diamant, nous avons le cuivre, nous avons n'importe quoi dans d'autres provinces. Mais ici chez nous, dans la ville de Kinshasa, nous avons l'art et les études. Et alors, pour la nouvelle, pour votre information, ceux qui font cet art, ce ne sont pas des bâtards, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas étudié, ce sont des instruits. Ce sont des instruits, bien sûr. Parce que cet art, ça demande une discipline. Si tu n'as pas de discipline, tu n'auras pas à évoluer. Alors, il faut nous considérer aussi comme étant un artiste. Voilà. Bon, si quelqu'un veut vous contacter,
nous avons des abonnés, des partenaires partout dans tous les coins du monde, États-Unis, Amérique, Australie, Asie, Afrique. Si quelqu'un veut vous contacter, il peut vous contacter dans quel... Oui, par téléphone. Par téléphone, nous avons par téléphone le numéro est +243, code de notre pays, 82 42 48 690. Et autre, +243 89 106 12 30. À part ça, nous avons aussi l'adresse mail qui est la lettre J, simplement J. Brother, brother comme frère en anglais, brother 089@gmail.com. J.brother089@gmail.com. Merci. Et sur Facebook, recherchez J-Tray Brother Popping Dance. Merci. Bonjour messieurs. Oui, bonjour. Présentez-vous d'abord. Oui, moi c'est Ted Glory. Ted Glory. Je suis un musicien qui fait le gospel et la musique éducative. J'ai fait des passages, je vous ai croisé en plein clip, tourner les clips. Quoi cette chanson? Mais en fait, nous sommes en train de faire le tournage du clip de la chanson Happy Day. Et Happy Day, c'est un single dont je sors dans peu de temps pour édifier le peuple congolais et le monde entier. Nous sommes en plein tournage du single. Quelle est la motivation? Est-ce que tu peux nous dire la motivation qui vous a vraiment amené pour tourner cette chanson? Ben non, ce qui me pousse à faire cette chanson, c'est pour, comme je viens de le dire, d'édifier, de réconforter ceux qui souffrent, d'apporter un soulagement aux douleurs des autres, pour leur dire que, et Happy Day, Happy Day veut dire un jour heureux. Donc, un jour heureux, donc ça porte l'espérance, l'espoir, car même le monde dit, l'espoir fait vivre. Vous savez très bien que notre pays passe des moments impossibles. Quel est le message que vous, en tant qu'artiste musicien, l'homme populaire, le message que vous donnez à ceux qui souffrent dans tous les coins de la RDC? Oui, cette chanson vraiment est pour le peuple congolais. Ouais, je veux même faire des compilations. Je ne vais pas seulement chanter en anglais, mais en français, en lingala. Donc, je veux dire au peuple congolais, ne te décourage pas. N'abîme, ne détruis pas ta destinée, jeunesse congolaise. Ne détruis pas ta destinée, car l'avenir est devant nous. La destinée est grande, la destinée est merveilleuse. Donc, et Happy Day, et le jour heureux arrive dans notre pays. Pour ceux qui vous suivront à l'étranger, dans tous les coins du monde. Oui. Bon, je leur dirai, Happy Day, viens. Acceptez cette musique, c'est votre frère artiste, Ted Glory. Si quelqu'un veut vous contacter, ouais, vous pouvez me recevoir par mon Facebook, c'est Teddy Bashengezi. Teddy Bashengezi, là sur Facebook. Teddy avec double D et Y. Au téléphone, vous avez +243 81 45 30 732. +243 81 45 30 732. Pour ceux qui vivent au Congo, en RDC, c'est 081 45 30 732. Merci beaucoup. Merci, c'est à moi de vous remercier. Happy day coming to your life. Ooh, yeah, happy day, yeah, happy day. Mais yo, dans quelques jours, vous êtes député provincial. Vous avez un projet pour la ville à Kinshasa. Nous avons une photographie.
photographie Yaga. Et bandit depuis la création de l'homme jusqu'à l'apparition de l'homme. Au moment de la naissance, il y a un botami, photo et zokanga. Au koufa, moto koufi, na den, photo et zokanga. Sans photo, sans histoire. Bato bazo sakana photo, photo et zéloka ou sakana, photo et zéloka ou pesa ou valet. Pour les lois, il y a bientôt tous ceux qui ont été en train de l'élection. Les candidats sont en train de à travers les photos. Ceux qui ont été en train de se faire, ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. L'histoire est en train de se faire bien, ils sont en train de se faire des photos. Les photos sont identifiées, tala, 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 et boue, boue, boue. Il y a des photos. Il y a des photos qui sont en train de se faire des photos. Il y a des photos qui sont en train de se faire des photos. Il y a des valeurs. Na kopesa bande ko bazo sakana na photographie bazo minimiser yango ba sakana na ngote ba pesa yango valeur pour lelo yo moni Kinshasa to tomboli yango à travers babilile zo mona oye salemi na oye zo salema to zo lakisa yango à travers bilili bapaya o bazali banda ya mboka ba ko mona Kinshasa na ba photo bazo mona ba site touristique nano ba komate bazo tala à travers photo beauté ya Kinshasa tala lelo na likanisho gouverneur de la ville azui pona ko lakisa me ba photographe pe ba lakisi mayele na bango yomoko na ko komote mingi te bilili ezo loba lelo moto muswa ko iko yawa akomi na site mokote me atalika ka à travers ba photo ayebi déjà site wana. Il y a une photo et puis ça a un message fort. Merci. Si vous avez un mot sur la zone, vous avez un mot sur la zone. Vous avez un message fort. Vous avez un mot sur la photographe. Vous avez un mot sur la zone. Ministère de la culture et art. Vous avez un patron. Vous avez un artiste et un mais awa na mboka na biso na monaka er moko ba neglige ka ba photographe yango na festival to sali ya exposition ba kondinyonso oyo ba kolanda ba bilili oyo ba zwa conscience ya ko aider ba photographe ba moyen po exposition zo senga ba moyen soko tali oyo oyo salemi awa tu moyen malgré tout hôtel de ville les a financement na ye mais a dépassé pe bongo to zo senga pe ba moyen apesa na ba association na ba photographe ne boye ba kozwa ba idée ya kosala ka boye pour que o mona photo pe ezali eloko moko ekotombola valeur ya mboka na biso beauté ya mboka na biso ba site touristique ya mboka na biso ekotambola koyeba na travers photo na lingina ba xelo ko mosusu photo ezali eloko moko même courant ezate moto azana besoin ya photo akotala. Mais bato ba néglige ka photo, photo eza na mutuya, eza na valeur, eza eloko moko ke lelo yo bakoko na yo o babota yo. Oboti bana na yo, meme yo mona bango te okoyeba bango à travers photo. Na kopesa conseil pe na bandeko ba photographe, ba linga mosalo yo ba pesa ngo valeur nde mboka na biso pe eko bakonji bako tala biso. Merci beaucoup papa. Projet Excellence. Bonjour. Tomoni likanisio boye nango za kitoko makasi. Tuli mtoye bakaka ba detail na likanisio tomoni obo ebengami festival kin malebo. O ya boye tikala ozalate na Kinshasa. Tomana ka obo kalima sali bo bareme mais o yuza na compte ya gouvernement provincial. Likanisio kitoko tuli mbo pese biso explication o bato baza di banda baye ba ke Kinshasa pe po balubaka mabe ya Kinshasa. Oui, merci beaucoup. Na kanisi festival na biso Kin Malebo ezali occasion oyo papa gouverneur André Kimbuta a pesi na bakinwa ya ko fêter ville na bango parce que ndenge tokoki koloba na lopoto une ville ça se fête, ça se vit. Une ville ça se vend aussi comme produit culturel touristique. Donc papa gouverneur ya ville de Kinshasa à Sepela qui a créé le festival officiel ya ville parce que ville ya Kinshasa ezalaki na festival na yango mokote lokola ba ville mingi ya minene occasion oyo tokokaki ko Sepela makambo etali ville na biso pe bomo na kati ya ville yango. Voilà pourquoi festival oyo esalemi en même temps pona ko célébrer fête
africaine ya musique oyo Union africaine a décidé depuis liwa ya papa Wemba, donc date ya liwa na ye, et comme il date ya célébration ya musique africaine et biso bakolo papa Wemba et sengeli donc to fêter musique wana, mais au-delà ya papa Wemba, parce que rumba ezalika ka faire ya papa Wemba te, ba Grand Kale, ba Nico, ba Franco, ba Rochero etc. na ba génération Wenge, ba o bazali lelo bango nyonso bazosa la fierté na biso ya musique congolaise na biso lelo, alors esengeli na biso to promouvoir eloko wana, mais au-delà ya musique festival Kin Malebo ezota la baspe nyonso ya culture yango bomoni awa tout autour bato bazali ko lamba pe bazote kabilo ko kolia pona ko lakisa na mokili que na Kinshasa tozali na bilei pe bilei ya Kinshasa elia makabia. C'est-à-dire, vision na biso ezali touristique. Tolingi que batuba yeba que Kinshasa ezali kaka désordre te, Kinshasa ezali kaka politique te, Kinshasa ezali pe culture na tourisme. Et si ko mutu akoki ko ya atambola pe akoka ko misepelisa. Alors, soki mutu aye ko misepelisa akoluka kolia. Nde yango tozo pesa message que na Kinshasa tozalaka na bilei ya bien. Batuba ko ya na Kinshasa sans inquiétude que akolia nini. En dehors de ça, tozana ba photo, tozana on a moni ba photo ya voilà, bien. Voilà, voilà ba photo wana ezali pona représenter ville na biso na lolenge o ekoki ko attirer ba touristes. Nde tina concours photo esalamaki pour que ba meilleur photographe ba zwa ba photo to sélectionner ba oyo ba koki ko zwa moi prix. Pe toko kako utiliser ba photo wana pona ko attirer ba touristes. Si ko ba photo wana ndenge bo disposer en bokosala ne tout monde ka ba mboka mosusu ba sali livre. Voilà justement au finish on sala pona ville à Kinshasa. Na suka ya masolo toko sala livre touristique hein. Oye koza na bilili na mwa ba commentaire ya moke pona ko lakisa Kinshasa. C'est-à-dire que mutu oyo akozwa livre wana na libanda ya Afrique to na kati ya Afrique mais en dehors ya Kinshasa ayeba nini eza na Kinshasa et bisika nina koki kokuta yango. Merci beaucoup. Voilà. Bravo. Le petit, ça va? Ouais. Ça va, le petit? Attends, je dis, ça va? Le petit? Oui, ça va, bien. Oui. Regarde là. Ouais. Lepsis, bonsoir. Bonsoir. Lepsis, on constate ta présence à la clôture de cette première édition du festival Kin Malebo. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Merci beaucoup. Je pense que l'initiative est bonne, mais pas assez concertée. Pas assez concertée. Je suis venu sur invitation. Je suis venu sur invitation, c'est bien, c'est fait. On aurait pu faire mieux si on avait pris le temps de bien organiser les choses. C'est quand même Papa Wemba. Et j'estime qu'on est encore un petit peu dans la culture de l'émotion. Il y a moyen de travailler sur l'entretien des mémoires des artistes de manière pérenne. D'accord ? Parce que tout Kinshasa, enfin, ce aurait dû être là ce soir. Si les mesures nécessaires étaient prises, moi, personnellement, j'ai eu mon invitation aujourd'hui et je suis venu par politesse. Aujourd'hui. Et je suis venu. Ce qui veut dire, Lepsis, que tu n'as été informé aujourd'hui, de la tenue de ce festival. J'ai eu vent de l'existence de ce festival. J'ai eu vent de l'existence de ce festival. Vous savez, moi je fais partie probablement des derniers artistes à avoir chanté avec Papa Wemba, juste avant qu'il prenne son avion. D'accord ? Et j'aurais dû être sur scène avec lui à Fimouya, à la scène d'Abidjan. Pour plusieurs raisons, je n'ai pas été. Voilà pourquoi même j'ai fait partie de la petite délégation qui est partie en Côte d'Ivoire chercher les corps. Donc,
il y a plein de choses, d'accord. Et moi je suis de l'obédience hip-hop. Et Papa Wemba a énormément chanté avec les artistes hip-hop. Il n'est pas logique qu'un podium pareil soit mis et qu'il n'y ait pas des artistes rap, qu'il n'y ait pas de... Voilà, c'est qu'il les met par-dessus tout, chanter avec les jeunes, qui portaient d'autres idées, qui ramenaient une autre force. C'est pour dire qu'il y avait moyen de faire mieux que cela. Mais l'ancien lycée était un point de départ et j'espère que les années à venir, l'année prochaine, il y aura une meilleure coordination des artistes autour de ces projets. Merci les personnes. Votre présence à cette soirée finale de cette première édition du festival Kin Malebo. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Mais tout ce qui réunit là les gens, pour moi, est une bonne chose. Et je remercie le gouverneur qui m'a associé, qui m'a invité. Donc je suis content d'être là et de retrouver les autres. Est-ce que vous allez jouer un peu ce soir? Non, on ne m'a pas demandé de jouer, on m'a juste dit d'être présent, d'être dans l'assistance. Mais au cas où l'assistance vous demanderait, ne fût-ce que... On aime tellement entendre votre voix. Mais je n'ai pas mon orchestre, je n'ai pas mon groupe. Donc, d'accord. Ça va être compliqué. Merci. Voilà. Merci. C'est un grand plaisir d'être, de nous retrouver ici, dans le beau cadre de l'Académie de Beaux-Arts, pour cette grande fête populaire qui met à l'honneur les artistes, les créateurs de la ville-province de Kinshasa. Comme vous le savez, Kinshasa a le label de ville créative de l'UNESCO pour la musique. Donc la création de ce festival, cette première édition, est une façon de montrer que cette ville est vraiment la ville de la musique, en offrant un festival qui va permettre aux artistes de se retrouver tous les ans pour s'exprimer et puis faire la promotion de la ville de Kinshasa et de leurs produits musicaux. Donc nous saluons vraiment cette initiative, en plus qui se passe au lendemain, pendant la célébration de la première édition de la journée africaine de la musique, puisque le 24 avril a été proclamé maintenant journée africaine de la musique sous l'impulsion de la RDC en hommage à Papa Wemba. Donc le 24 avril, journée de la musique africaine, et aussi à la veille de la journée du jazz, le 30 avril de chaque année. Donc vous voyez que cette activité trouve vraiment sa raison d'être, et nous félicitons d'être ici, nous félicitons le gouvernorat d'avoir pris cette initiative et de permettre aux artistes chinois de se retrouver pour qu'on puisse mieux les connaître, mieux les respecter, mieux les aider à vivre de leur art. Monsieur
l'ambassadeur et l'UNESCO accompagne les pays pour vraiment respecter les droits d'auteur, les droits des différents artistes. Et à cet égard, l'UNESCO accompagne les efforts qui sont faits ici. Il y a les organisations qui sont habilitées, la SOCODA et aussi le ministère de la Culture et des Arts ici. Qui tient le leadership. Donc nous accompagnons, nous faisons le plaidoyer pour que le ministère ait à cœur vraiment cette problématique, pour qu'on puisse vraiment défendre les droits d'auteur des artistes et des créateurs en RDC. Donc c'est un chantier qui nous tient à cœur. Nous accompagner, on ne peut pas se mettre à la place des acteurs nationaux ni des forces créatives, mais nous leur rappelons leur engagement, puisqu'il y a une convention, il y a des textes internationaux auxquels le pays a souscrit et s'est engagé à faire respecter, et dans le cadre aussi de l'Union africaine. Donc nous accompagnons ces efforts vraiment pour que les artistes soient protégés et qu'ils puissent vraiment... Mesdames, Messieurs, merci, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Mesdames, Messieurs.